Bonjour, soutenez-nous sur Tipeee, car sinon, nous allons être obligés de restreindre nos diffusions. Merci. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une plante hallucinogène qui est très recherchée en Afrique de l'Est et au Yémen. C'est le kat. Pourquoi je vais vous parler du kat ? Parce que la vente de cette plante génère de tels revenus que les chefs de guerre yéménites et somaliens, islamistes ou autres, peuvent acheter armes et munitions pour leurs milices et donc continuer les guerres qu'ils ont entamées. Il se trouve que j'ai remonté toutes les filières du kat, du cultivateur au consommateur. Mogadiscio, 3 heures l'après-midi. C'est l'heure tant attendue, tant désirée de la mastication du kat. La seule évasion vers un autre monde pour ces miliciens qui depuis 12 ans se battent entre clans rivaux. Ce sont devenus des esclaves de cette drogue qui est abondamment distribuée par les chefs de clan à leurs milices. Moi, pour avoir du kat, je suis milicien. Je suis devenu milicien et je me bats. They will do whatever they want. They take the property of the people. They're looking for how to get only the khat. Pour cela, nous allons partir au Kenya, qui est avec l'Éthiopie l'un des principaux pays producteurs de khat. Nous voici donc dans une plantation. Une plantation de khat à 400 km de Nairobi. Il est 16h. C'est l'heure de la cueillette. Joseph est un petit exploitant comme il y en a tant d'autres dans la région. La culture de cette drogue rapporte plus de 50 millions de dollars par an aux petits producteurs qui la cultivent. Le kat est une plante hallucinogène consommée dans les pays de la Corne de l'Afrique ainsi qu'au Yémen. La consommation répétée entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, une hypertension ainsi qu'une hyperactivité souvent accompagnée d'une psychose. Mais qui sont les acheteurs ? Ce sont pour beaucoup des marchands kényans d'origine somalienne qui sont réfugiés au Kenya pour fuir la guerre civile qui ravage leur pays depuis plus de 10 ans. Y a-t-il beaucoup de marchés de kat autour de votre propriété ? We have Mutuate. Kaelo, we have Lare, and the other places of Mawa, those interior, Vero, and whatever. One day alone, here in Kaelo, is we sell almost 10,000. 10,000 kilos? Yes, 10,000 kilos a day? Yes, in this market alone. The buyers and the exporters, those are mostly from Somali origin, and all others who are concerned in the market. Les petits acheteurs somali ne sont rien à côté des sociétés qui se sont créées à l'aide des chefs de guerre. Et qui sont plus ou moins licites, bien entendu, qui achètent en gros. Le marché de Kaelo. Tous les petits producteurs arrivent avec leurs récoltes. Ici, on ne fait que livrer les importateurs qui se font discrets. Les Somaliens n'interviennent que dans l'enlèvement des marchandises qui partiront vers leurs ateliers de Nairobi, pour y être ensuite empaqueté et préparé pour le transport aérien. Il faut donc préparer la marchandise qui partira ensuite vers des pays comme la Somalie. Mais pas seulement la Somalie, puisqu'il y a des gros transporteurs qui partent vers l'Europe et les communautés somaliennes de Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Incroyable. La distribution du kat est difficile, car la nature même de cette drogue nécessite des moyens d'exportation rapides. En effet, la sève du kat perd ses propriétés hallucinogènes 24 heures après la cueillette. Les Kenyans voient également d'un très mauvais œil le blocage des prix de l'herbe par les gangs somaliens. Nous faisons beaucoup d'argent, mais il y a un problème. There's a problem with the many buyers. They have monopolized the trade. There is a monopoly in this trade. The Somalis have overshadowed the Meros. Ces sociétés d'import-export, si elles n'ont pas comme unique actionnaire les chefs de guerre somaliens, leurs capitaux
sont tout de même aux mains des principaux clans qui leur ouvrent tous les accès aux aéroports de Somalie, quelle que soit leur appartenance, Somalie, qui reste le plus grand acheteur de la région. Les Kenyans se rappellent aussi des énormes problèmes qu'a soulevé la population somalie installée au Kenya, son implication dans certains attentats et tous les problèmes liés au mouvement terroriste Al-Shabaab. Ah oui, je suis resté une semaine dans une banlieue de Nairobi, dite Little Mogadiscio. Little Mogadiscio. C'est ici que tous les ordres d'achat de Kat sont donnés aux différents sous-traitants somaliens qui habitent dans le district de Mawa. Little Mogadiscio est peuplé uniquement de Somalis. Il est extrêmement surveillé par les services kényans et américains qui sont persuadés que les extrémistes islamiques de la mouvance du mouvement Al-Ittihad al-Ismaïlia sont mêlés aux attentats de Nairobi de 1998 et de Mombasa l'année dernière contre des touristes israéliens. Il était très difficile de filmer, le petit hôtel Somalie où j'étais, ainsi que mon guide, était surveillé. Ici, tous les trafics sont possibles. La population de Little Mogadiscio est aux trois quarts en situation irrégulière ou a bénéficié de la corruption des fonctionnaires kényans qui vendent des passeports à 1 500 $ pièce. Maiwa, il est impossible de filmer chez les exportateurs somaliens. Il est 19h, retour à Mawa, mais cette fois-ci chez les exportateurs somaliens. Si le ton change, la vue d'une caméra est ici ressentie comme une agression. On nous demande si nous ne sommes pas du FBI ou des inspecteurs de l'ONU. Car les inspecteurs des Nations Unies se sont intéressés de très près au trafic de Kat dans le cadre de la résolution concernant l'embargo sur les armes en Somalie. L'argent du Kat sert en partie à financer les achats d'armes et de matériel destiné aux milices. De plus, les avions revenant de Somalie ne reviennent pas à vide, car en plus des produits de contrebande ordinaires venant de Dubaï, plusieurs fois, l'exportation du Kat a été suspendue sur la demande des services kényans qui avaient découvert des armes. Alors quel est l'intérêt du Kenya dans ces transactions ? Mais l'enjeu économique pour le Kenya est d'importance. Les clans de la région de Meru, puissants. Aucun gouvernement ne prendrait l'initiative d'interdire la vente et l'acheminement du Kat vers la Somalie. Nous essayons de filmer en planque le chargement de la drogue dans les avions, en partance pour la Somalie. En vain. Il va nous falloir partir à Mogadiscio pour filmer le reste de cette route du Kat. Il est 21h. Ce Kat sera à Mogadiscio demain matin. 3h du matin, l'aéroport Wilson, à quelques kilomètres de Nairobi. Les colis sont pesés et transportés dans de petits bimoteurs capables d'atterrir sur des terrains de fortune. 9h le lendemain matin, à 15 km de Mogadiscio. Des milices puissamment armées contrôlent la seule route menant à l'aéroport numéro 1. Vous verrez cela la semaine prochaine. J'espère que ce récit vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et le pouce. À très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee. Merci.